deuxième colonne de Cathy. La neuvième ligne dans la deuxième colonne. Alken avda aretz ki eretz Israël et prinat malchut d'kedusha ki adua shomedet al shnei ma'asar bakar keneged shnei ma'asar shifteka kamuva b'ma'amar anal. Alors, la terre d'Israël, elle se tient, elle représente le pouvoir de la kedusha. D'Eretz Israël, c'est le résultat du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, selon le niveau de souveraineté d'Hachem, c'est comme ça que Eretz Israël, elle va être à sa place. C'est-à-dire, elle va donner ce qu'elle doit donner, elle va être ce qu'elle doit être. Il y a un micro là, il y a un micro qui est ouvert là, si vous pouvez fermer. Je ne sais pas si vous avez le micro, quelqu'un qui a un micro là, on entend du bruit d'un micro. Regardez David si vous avez le micro là-bas. Ok, alors, Alken avda aretz ki eretz Israël prinat malchut d'kedusha ki adua. Donc on a vu que la terre, elle a été perdue, c'est-à-dire comment on a été chassé d'Eretz Israël. C'est par le fait que la malchoute de Kedusha, elle n'était plus en place. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de bracha dans la Torah. C'est-à-dire, une Torah sans bracha, c'est pas de la Torah. Une Torah sans bracha, ça veut dire que la Torah, elle n'a pas de rapport avec la vie, elle n'a pas de rapport avec la réalité, puisqu'elle n'est pas en place. Donc maintenant, si la Torah, elle n'est pas... Elle n'a pas un rapport avec la réalité, alors il n'y a pas de possibilité à ce qu'elle influence, qu'elle donne ce qu'elle a donné. C'est comme si on prend, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert. Je ne sais pas qui est-ce qui a un micro qui est ouvert, mais ça fait du bruit. Si vous pouvez couper le micro. Je ne sais pas qui est-ce. Ah, ça va mieux là. Là, c'est bon. Alors maintenant, si quelqu'un, par exemple, si vous prenez quelqu'un qu'on met, par exemple, des fois dans des grandes organisations, on voit qu'il y a écrit que quelqu'un il fait partie de cette organisation à titre honorifique. Alors on écrit son nom sur les papiers de l'association, comme quoi, à titre honorifique, il fait partie de cette association. Mais les mains, c'est lui, il ne fait pas partie du tout, il n'est pas là. C'est juste on a mis son nom, c'est tout, pour une référence. Mais il n'est pas là, il n'est pas présent dans ce qui se fait dans cette association. Maintenant, si la Torah, elle n'a pas de bracha, c'est la même chose. Ça veut dire que la Torah, les mains, c'est... Elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue. C'est-à-dire, elle n'est pas présente dans notre vie. C'est-à-dire, c'est une Torah, mais c'est une Torah qui est théorique, qui est là. C'est une référence théorique, mais c'est pas quelque chose de vivant qui est présent. Ça, c'est le fait qu'il n'y a pas de birkat à Torah. La birkat à Torah, c'est-à-dire quand la Torah elle a la bracha, ça veut dire que la Torah, elle irrigue la vie. Elle arrose la vie, elle est présente dans la vie de la personne. C'est ça qu'on dit, Bacharta Bachaim, tu choisiras la vie. C'est-à-dire, tu choisiras une Torah de vie. C'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous. Donc maintenant, du moment où on n'a pas fait Birkat à Torah, c'est-à-dire qu'on n'a pas orienté la Torah vers la vie, alors ça a donné qu'on a perdu la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, elle s'appelle Eretz Achaim. C'est une terre de vie. En Eretz Israël, on ne peut pas vivre vide. C'est-à-dire, ce n'est pas une terre où on peut faire semblant de vivre. C'est une terre où on vit vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas faire semblant de vivre. C'est une terre où il y a du mouvement, où ça bouge. Ce n'est pas une terre qui est endormie. C'est une terre qui est vivante. Elle s'appelle Eretz Achaim. C'est-à-dire que cette terre-là, elle a une vie en permanence, ce qui fait... que la présence d'Hachem, elle est très forte en Eretz Israël, c'est-à-dire la présence effective, c'est-à-dire la présence sur le terrain, elle est très forte. Donc en Eretz Israël, c'est sûr qu'il faut une bracha pour pouvoir vivre en Eretz Israël. Et si quelqu'un, il a une Torah où il n'a pas choisi la vie,
Alors, on ne peut pas rester en Eretz Israël, on ne peut pas vivre en Eretz Israël. Alors, c'est pour ça, c'est pour ça que la terre, elle a été perdue, qu'on est parti en exil. Qu'Eretz Israël, iprinat malchut de Kdusha. Parce qu'Eretz Israël, c'est le souveraineté de la Kdusha, de la sainteté. Qui est Adoua, comme c'est connu chez Omedet al-Shnem Asar Bakar, qui se tient sur les douze vaches, qu'on avait vu que David Amelech. Shlomo HaMelech, il avait construit ce mikvé des Kohanim qui était posé sur ces 12 vaches-là, ou ces 12 taureaux. Qu'est-ce que c'est ces douze taureaux, ces 12 vaches? C'est les 12 shvatim, c'est les 12 tribus qui sont kadosh, comme c'est ramené dans la Torah, comme Rabbeinu l'amène dans cette Torah, la Torah 36. Qui Eretz Israël nitralka les 12 gvulim. Les 12 shvatim. Eretz Israël, elle a été séparée en 12 frontières, en 12 tribus. Chez Zeprinat Shmirat Abrit, Kamovora Hashem Bemamaranal. Que ça, c'est le inyan de Shmirat Abrit, c'est-à-dire de inyan de la garder l'alliance. C'est-à-dire qu'on a dit que chaque tribu, elle a le nom d'Hachem en elle, et qu'Hachem, il dit, voilà, moi je suis présent dans chacune de ces tribus. Donc chaque partie de ces 12 parties, elles ont la présence de Yudke, c'est-à-dire la présence de la Kedusha d'Hachem, c'est-à-dire s'il y a un lien direct avec Hachem. « Al-Yedei shelo berchu batorah trila, velo mshichu ha'or beprinat bracha sheze prinat pgam habrit. » Maintenant, on parle le fait qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah au début, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas amené la lumière sous une forme de bénédiction. Chez Zeprinat Bgamabrit, que ça même, c'est ça le Bgamabrit. Qui karam shachata or beprinat bracha ou alide tikkun abrit, parce que tout le inyan d'amener la lumière de la Torah en bénédiction, ça c'est ça le tikkun abrit. Ça qui s'appelle la réparation de l'alliance. Réparation de l'alliance, ça veut dire que maintenant, on a ouvert, si on veut, on a déballé, on a ouvert la Torah. C'est-à-dire, on a ouvert la Torah et la Torah, elle vit maintenant. Ça y est, elle est vivante. On voit un rapport direct entre notre vie et la Torah. Maintenant, tant que quelqu'un ne voit pas un rapport entre sa vie et la Torah, ça veut dire qu'il est dans le Pgam HaBrit, ça veut dire qu'il est déconnecté de la Torah. C'est-à-dire que sa Torah, elle n'est pas branchée. Ou lui, il n'est pas branché sur la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de bracha. C'est-à-dire que la lumière de la Torah, elle n'a pas été orientée d'une façon vivante. Elle a été orientée d'une façon morte. C'est-à-dire comme vous voyez les gens, les goyim, ils appellent l'hébreu une langue morte. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Parce que eux, comme ils ont des problèmes dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'alliance, chez eux, ce n'est pas quelque chose qui a. Il n'y a pas, il y a rien à faire là-dedans. C'est pas, ils ont pas spécialement un travail dans ce domaine-là. Donc eux, quand ils voient l'hébreu, ils voient une langue morte. Mais les mains, c'est pas une langue morte, c'est la seule langue vivante qui est sur terre, c'est l'hébreu. Toutes les autres langues, ce sont des langues mortes. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des langues mortes? Ça veut dire que toutes les autres langues, ce sont des langues qui ont été faites par l'homme après la création du monde. C'est-à-dire une fois que le monde a été créé, une fois qu'il y a eu Noé, une fois qu'il y a eu la tour de Babel. Alors, après ça, après la tour de Babel, les gens, ils ont commencé à parler d'autres langues. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ça a commencé à faire un problème dans le monde. Dès que maintenant, il y a eu des langues différentes, déjà, ça a commencé un bilboule, c'est-à-dire un trouble terrible dans le monde. Parce que le fait qu'il y a différentes langues, vous voyez que des peuples, ils ont des façons de vivre qui sont vraiment complètement différentes. Quand vous allez dans un pays, vous changez de pays, vous allez dans un autre, vous allez voir des choses qui sont totalement différentes. Ça vient de leur façon de parler. Mais leur façon de parler, elle les a éloignés de l'origine de la parole qui est le Lashon HaKodesh, qui est l'hébreu. L'hébreu, c'est ça le Lashon de la vie. C'est ça la langue de la vie. Puisque c'est avec l'hébreu qu'Hachem il a créé le monde. Donc maintenant, ces lettres en hébreu, c'est elles la vie. Maintenant, quand les gens, ils ont commencé à parler d'autres langues, ça veut dire que c'est déjà un déguisement de la vie sous une apparence différente. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'interpréter la vie sous leur forme à eux de voir. Alors c'est sûr que quand quelqu'un, il se déconnecte de la vie et il va vivre
d'une façon qui est complètement à côté, c'est-à-dire que il veut redessiner le monde, comme quelqu'un nous a dit, un de nos de fidèles auditeurs dans le shiurim, il a dit, voilà, les gens, ils croient que ce monde-là, c'est une cour de récréation. C'est-à-dire que les gens, ils sont mis à jouer, à faire ce qu'ils ont envie de faire dans ce monde. Mais ce monde-là, c'est pas une cour de récréation. Alors, je lui ai dit que récréation, ça peut se lire recréation. C'est pas de la récréation, c'est de la recréation. C'est-à-dire que les gens, ils veulent recréer le monde à leur image, à eux. Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il a voulu que l'homme, il ressemble à Hachem. Eux, ils veulent faire ressembler le monde à ce qu'ils veulent. Que si c'est un monde de pixous, de pingouins, ou de je sais pas quoi, alors ils veulent rendre le monde comme ça. Ils veulent rendre le monde comme ça. J'ai vu un dessin, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait un dessin, là, j'ai vu ces jours-ci. Alors, il dit la théorie de Darwin. Alors, vous voyez un singe, comme ça. Après, le singe, il évolue, le vieux, il devient un homme. Après, l'homme, il devient un peu plus gros. Et après, il descend, il devient un porc. Vous voyez, ça commence par un singe et ça finit par un porc. Et entre les deux, il y a une évolution de l'homme et une baisse vers autre chose. C'est-à-dire, quand l'homme, il arrive à ce qu'on voit de nos jours, des choses complètement aberrantes comme les mariages homo, des choses comme ça, d'officialiser la bêtise. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? De quoi on va parler? On va se mettre à parler la Lachon HaKodesh. De quoi on va se mettre à parler? On va parler de quoi? Les gens, ils ont transformé le monde. Ils en ont fait. C'est comme une pièce de théâtre. Prenez il y a eu maintenant un événement dans le monde qui s'appelle ce qui se passe et ce qui s'appelle. Les gens, ils en ont fait un film la bataille de Waterloo. Voilà, ils ont fait un film. Maintenant, le film de la bataille de Waterloo, c'est rien du tout. C'est pas la bataille de Waterloo du tout. Le film, c'est un film, c'est tout. On a essayé de vous faire vivre des choses. Mais il n'y a personne qui sait que c'est ça la bataille de Waterloo. Même il n'y a que quelqu'un qui était là-bas qui peut voir un peu de différence qu'il y a entre, comme on dit, l'original et la copie. C'est-à-dire les gens ils ont redessiné, remodelé le monde d'après ce qu'ils voulaient. C'est ça qui s'appelle la klala. C'est-à-dire c'est la définition de la malédiction, c'est ça. La malédiction, c'est d'interpréter le monde avec une façon de voir qui n'est pas celle d'Hachem. Maintenant, si on fait Birkat à Torah, c'est-à-dire si on fait la bénédiction sur la Torah, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la lumière quel est le vêtement qu'Hachem a choisi pour cette lumière. C'est-à-dire cette lumière, quand elle vient dans le monde, qu'est-ce qu'elle doit donner? Qu'est-ce qu'elle doit donner cette lumière-là? Alors, quand on a cherché, on a trouvé la place, l'interprétation, le dessin de cette lumière-là, ça y est, on a trouvé la vie. Mais si maintenant on dit, bon, voyons voir à quoi ça peut servir cette chose-là. Voyons voir cette lumière, comment on va l'interpréter. Quelqu'un, il a de la santé, qu'est-ce qu'il va faire avec sa santé? Il va faire du sport, il va faire du volontariat dans un endroit, il va faire quoi avec sa santé? Il va l'utiliser en quoi? Il a de l'argent, il va l'utiliser en quoi? Il a de la chokhma, il va l'utiliser dans quoi? C'est-à-dire, il faut savoir comment investir toutes ces énergies-là. Ce sont des énergies. Quelqu'un, il a l'intelligence, il a une force physique, il a de la finance, une possibilité de se déplacer, d'aller, de faire, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va utiliser ces choses-là? Il faut trouver l'interprétation qui est l'interprétation d'Hachem. Et maintenant, de nos jours, dans l'état où on est, on ne peut absolument pas trouver avec notre cerveau l'interprétation d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on fait, on doit faire? On doit aller d'abord vers la bracha, c'est-à-dire faire bracha, birkat haTorah. Comme on a dit, Hachem, il nous a choisis. On demande à Hachem qu'il nous fasse goûter la Torah, qu'il nous donne le goût de la douceur de la Torah, qu'on sache que c'est ça. Que c'est ça la vie, qu'on sache que la Torah c'est la vie, que c'est ça une Torah de vie, une Torah vivante, une Torah qu'on aime, pas une Torah de corvée, une Torah qui soit désagréable, une Torah qui soit la vie, mamash, ça qu'on doit trouver. Alors, si on fait Birkat HaTorah Tchila,
C'est-à-dire, si on commence par la journée à faire la bénédiction sur la Torah, à ce moment-là, la journée, elle va déjà se mettre en place en interprétation positive. C'est-à-dire, on va complètement positiver la façon de voir les choses. C'est-à-dire, on va voir la vie sous un angle qui est la vision d'Hachem dans la création, pas la vision d'interprète. Regardez à quel point maintenant la Torah, elle fait attention à ça. On a vu dans la paracha que si maintenant il y a deux prophètes qui sont un côté de l'autre, maintenant Hachem, il s'adresse à un des deux et il lui dit, voilà, regarde, tu vas aller voir les enfants d'Israël, tu vas leur dire ça et ça et ça. Ok. Il s'adresse à l'un des deux. Maintenant, le deuxième, il a entendu ce que Hachem a dit au premier. Si le deuxième y va et il dit au Bnei Israël, voilà ce que Hachem il a dit, alors ce deuxième-là, il est passible de mort. Pourquoi? C'est vrai qu'Hachem il a dit, mais Hachem il ne te l'a pas dit à toi, il a dit à l'autre. Le fait que Hachem il a dit à l'autre, ça veut dire que quand tu vas le transmettre, tu ne vas pas transmettre la vérité comme elle a été dite. Parce que Hachem, quand il parle à quelqu'un, il lui parle son langage à lui. Il ne lui parle pas le langage. Entre deux individus, il y a un langage qui est différent. Même s'ils parlent la même langue. Ne parlons pas s'ils ne parlent pas la même langue. Mais si, même quand ils parlent la même langue, il y a une façon de s'adresser à une personne. Il y a une façon de s'adresser à une autre personne. Maintenant, Hachem, il sait exactement quel est le langage de chacun. Donc, quand Hachem, il s'adresse à un prophète, il lui dit, tu vas dire ça au Bnei Israël, il parle avec le langage de ce prophète-là pour que le message soit transmis comme Hachem, il veut, au Am Israël. Mais si l'autre prophète, il entend le message, il dit, mais moi, j'ai entendu quand Hachem, il parlait avec lui. Non, t'as entendu, mais Hachem, il s'adressait pas à toi, il s'adressait à lui. Donc maintenant, tu n'as pas le droit d'aller et de dire, voilà comment Hachem, il a dit. Hachem, il n'a pas dit comme ça. Hachem, il a dit à l'autre, pas à toi. Donc tu n'as pas le droit de venir, toi, et de dire au Am Israël, voilà, ko amar Hachem. Ainsi, Hachem a dit. Il n'est pas vrai. C'est pas ça qu'il a dit, Hachem. Il dit, mais comment j'ai entendu? Tu n'as pas entendu. Parce qu'il ne s'adressait pas à toi. Donc tu n'as pas entendu. Donc maintenant, quand quelqu'un il va interpréter la vie, il n'est pas branché. C'est qu'il n'a pas tikkun abrit. Il n'a pas réparé l'alliance. Il n'est pas branché. Comment voulez-vous qu'il interprète la vie? Il ne peut pas interpréter la vie parce que ça ne s'adresse pas à lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de lien avec cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? La plupart des gens, c'est des artistes. C'est des artistes de la vie. C'est-à-dire c'est des gens qui jouent. C'est-à-dire ils jouent avec la vie, ils interprètent la vie. Alors, vous allez voir des manifestations pour ça, des manifestations contre ça, des choses comme ci, des choses comme ça. Un, il veut acheter, l'autre, il veut vendre, l'autre, il veut aller là-bas, l'autre, il veut revenir de là-bas, l'autre, il pense qu'il faut faire comme ça, il faut plus de social, l'autre, il dit, il faut moins de social. Un, il dit, il faut amener des étrangers, il faut les aider, l'autre, il dit, il faut sortir les étrangers parce qu'ils nous dérangent, l'autre, il veut... Chacun, il dessine. Mais dans toute cette mélasse-là, il y a une façon de voir claire. Le monde, c'est pas une mélasse. Hachem, il nous a pas mis dans une mélasse. Hachem, il nous a mis dans un monde où il y a une façon de voir les choses clairement. Donc maintenant, il faut faire bracha de la Torah, c'est-à-dire que il faut chercher une lumière qui est déjà interprétée. C'est beaucoup plus facile de prendre un produit fini que de prendre une matière première. Matière première, vous savez jamais quand vous allez vous en sortir avec ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? À quoi vous allez arriver au bout? Vous savez pas. Maintenant, une vie, ça passe vite. Ça passe très, très vite. C'est pas... Voilà, demandez aux gens qui ont 70 et 80 ans aujourd'hui, ils vont vous dire, ça passe comme un clin d'œil. On n'a pas beaucoup le temps de commencer à tergiverser. Il faut aller directement vers les choses qui sont rentables et qui sont valables. Il faut aller vers une vie déjà interprétée. Ici, c'est pas la peine de jouer les apprentis sorciers, comme on dit. Il faut pas jouer l'apprenti sorcier. Il faut aller directement vers ce qui est déjà prêt. Prêt, voilà le mode de vie qui te correspond. Voilà le mode de vie qui est le mieux pour toi.
Hachem, il a donné le Shulchan Aruch, tu prends le Kitsur Shulchan Aruch. Bon, Hachem, tous les jours, on étudie un peu de Kitsur Shulchan Aruch. Bezat Hachem, on va le finir, encore peut-être 2-3 mois, on aura fini. Et au moins, quelqu'un, il a vu tout le Kitsur Shulchan Aruch. Il a vu quelle est la volonté d'Hachem. La vie, comment elle est prévue par Hachem. Quand Hachem, il te dit, voilà, tu dois mettre d'abord la chaussure droite. Après, tu dois mettre la chaussure gauche. Après, tu dois attacher le lacet du pied gauche. Et après, tu dois attacher le lacet du pied droit. Maintenant, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'en sais rien ce que ça veut dire. Je peux donner des explications, il n'y a pas de problème. Mais à part toutes les explications, ce qui compte, c'est de faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la façon de mettre les chaussures. Il n'y en a pas une autre. Ne cherche pas, parce que tu ne vas jamais trouver ça. Ne cherche pas, tu trouveras jamais que c'est ça la façon de mettre des chaussures. D'où tu vas savoir qu'on met d'abord le pied droit? D'où tu vas savoir? D'où tu sais qu'il ne faut pas attacher le lacet du pied droit avant d'avoir attaché le lacet du pied gauche? Ah, une fois qu'on te l'a dit, après tu peux trouver des explications. Mais fais attention, parce que ce n'est pas les explications qui comptent. Ce qui compte, le principal, c'est d'avoir la formule. La formule, c'est celle-là. Je mets la chaussure dans le pied droit, après je mets la chaussure dans le pied gauche, après j'attache le pied gauche, après j'attache... Ça, c'est une chose, comment on met les chaussures. Maintenant, c'est toute la vie entière, elle est gérée par le Shulchan Aruch. Le temps, il est géré. Les jours, les jours sont gérés, la vie de quelqu'un est gérée. Comment vivre, comment travailler, comment se marier, ses enfants, ça parle à ça, ses vêtements, sa façon de parler, sa façon de... Tout est géré par la halakha. Alors bien sûr, quelqu'un il a l'impression que ça manque un peu de participation personnelle. Ça manque un petit peu de participation personnelle. Il a l'impression d'être un petit peu mis de côté, il a l'impression d'être un exécutant, c'est tout, mais il n'a pas son mot à dire. Et qu'est-ce qu'on va lui dire son mot à dire? Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des bêtises, qu'est-ce qu'on va le laisser parler? Il vaut mieux qu'il se taise. Comme on dit, les gens qui se taisent, alors au moins on croit qu'ils sont intelligents, au moins ils ne parlent pas, alors on croit qu'ils sont intelligents. Tandis que les gens qui se mettent à parler, on va voir tout de suite s'il dit des bêtises. Maintenant, qu'est-ce qu'il va interpréter? D'où quelqu'un il va découvrir dans ce monde, c'est comme ça qu'il faut mettre des chaussures. Dans une petite halakha, une halakha simple. Comment quelqu'un il va découvrir ça? Prenez tous les livres de philosophie, tous les livres de sciences, de tout. Jamais vous trouverez comment mettre des chaussures. Il n'y a même pas quelqu'un qui se pose cette question. Il n'y a personne dans le monde qui se pose la question comment on met des chaussures. Ce n'est même pas une question dans le monde. Essayez de chercher dans un forum, je ne sais pas, dans Google, comment on fait pour, quelle est la procédure, comment on procède pour mettre des chaussures. Et on va dire, voilà, ben, tu les mets, c'est tout. Quelle importance de mettre la gauche ou la droite, c'est pas important, mettre des chaussures, c'est tout. C'est pas vrai, il y a une bracha dans chaque chose. Il y a une façon de vivre et de faire chaque chose, dans chaque détail. Ça, c'est le Shulchan Aruch, Hachem, il l'a donné pour qu'on ait la meilleure vie possible dans le monde. Ce sont des choix qui sont déjà faits par le Créateur du monde. Ce sont des modes d'emploi de la vie. Pourquoi quelqu'un il va chercher à réinventer l'utilisation de la machine? Cette machine-là, cette machine qui s'appelle la création, elle a un Créateur qui a donné un mode d'emploi. Pourquoi vouloir refaire le monde? Hachem, il a donné 7 mitzvot pour les Bnei Noach, 613 mitzvot pour le Ham Israël. Chacun, il a un mode d'emploi, comment vivre sa vie. Maintenant, quelqu'un, il fait les mitzvot Bnei Noach. Quelqu'un, il veut devenir juif, Baruch Haba, qui vienne, qui se convertisse au judaïsme. Quelqu'un, il veut rester Ben Noach, qui reste Ben Noach. Mais faire attention, un Ben Noach aussi, il a ses obligations. L'homosexualité, c'est interdit. L'adultère, c'est interdit. Toutes ces choses-là, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun être sur Terre qui peut se permettre ça. C'est interdit par le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est interdit? Tu crois que le Créateur, il veut t'embêter? Le Créateur, il a créé un monde pour t'embêter? Le Créateur, il a créé un monde que pour te, par amour, que pour te donner, c'est tout. Pas pour t'embêter. Donc quand il te dit « ne joue pas avec la bombe atomique », ça veut dire « ne joue pas avec la bombe atomique », c'est pour pas que tu sautes, c'est tout. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est justement parce qu'il t'aime qu'il te dit « ne fais pas ça ».
Quand il te dit tu vas pas faire de l'homosexualité, c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime qu'il te dit éloigne-toi de ça. C'est justement parce qu'il t'aime et parce que ça lui fait de la peine que tu vas gâcher ta vie dans ce monde et que tu vas vivre une vie de malédiction. C'est pas, lui, il a fait un monde qui est une fête. Ce monde-là, c'est une fête pour que tu puisses te réjouir et avoir une place dans le monde futur et arriver dans des choses extraordinaires, des merveilles que tu n'as même pas imaginées. Hachem, il veut te donner tout ça. Il a créé tout ça que pour donner, c'est tout. Hachem, il n'a pas besoin du monde. Il n'a pas besoin ni du monde, ni de toi, ni de rien du tout. Hachem, il n'a aucun besoin. La seule chose qu'il a, Hachem, c'est qu'il veut donner, qu'il veut aimer l'homme, qu'il veut que l'homme il soit heureux, qu'il se réalise vraiment. Alors quand il te donne un mode d'emploi, sache que non seulement c'est un mode d'emploi technique, parce que c'est le créateur, mais en plus c'est le mode d'emploi de quelqu'un qui t'aime. Qui t'aime plus que n'importe qui au monde, puisque c'est lui qui t'a créé et il t'a mis dans un monde pour te donner son amour, pour que tu sois béhémet, tu te réalises et tu sois heureux. Donc, quand il te dit de faire quelque chose, tu peux lui faire confiance, que c'est que par amour. Il n'a aucune autre intention que de faire que tu sois bien. Et quand il te dit fais ça, c'est pour que tu sois bien. C'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin que tu mettes les chaussures comme ci ou comme ça. Hachem, ça ne lui change rien. Fais ce que tu veux. Hachem, ça ne lui change rien du tout. Tu peux faire ce que tu veux. Ça ne change rien dans le monde. C'est pour ça que les sadikim, ils sont occupés du monde. Et ils ont dit, celui qui ne veut pas. À l'époque de Rabbi Nachman, déjà les sadikim, ils étaient fatigués. Ils voulaient amener le Mashiach. Et Rabbi Nachman, il a dit, pourquoi vous voulez amener Mashiach maintenant? Calmez-vous, restez tranquille. Pas de Mashiach maintenant, attendez, on va ramener tout le monde. Pourquoi vous laissez ces gens-là? Ils ne vont pas profiter de tout ce bonheur qu'Hachem il a mis à leur disposition. Attendez, ils vont faire tchouva, on va les arranger, on va les aider à un petit peu se nettoyer le cerveau, le cœur, un peu progresser. Pourquoi vous voulez amener Mashiach tout de suite? Attendez un petit peu. Rabbi Nachman, il envoyait des lettres à des tzadikim à son époque, parce qu'il y avait des tzadikim qui voulaient précipiter la venue du Mashiach. Il dit, attendez un petit peu, attendez, vous allez voir, le monde, on va l'arranger le monde, attendez. Les gens, ils vont faire tchouva, vous allez voir, je vais ramener des gens qui ont l'air complètement perdus, ils vont revenir, calmez-vous, allez doucement. Les tzadikim, ils veulent aider à ce que le projet d'Hachem se réalise. Hachem, il veut donner au monde, il a créé tout ce monde pour donner. Et Hachem, il a de la peine, ça le fait souffrir quand il voit que des gens, ils détruisent leur vie, ils détruisent leur possibilité d'être heureux, parce qu'ils ont envie d'en faire, comme on dit, à leur tête, c'est-à-dire qu'ils pensent comme ça. Et comme on disait, you feel it, do it, ou tu le sens, fais-le. Mais qu'est-ce que je sens? C'est rien du tout, moi. Qu'est-ce que je sens? Je viens dans un monde où je ne sais pas du tout ce que je fais ici, je ne sais pas pourquoi je suis là, comment utiliser ma vie, etc. Donc j'ai besoin d'un code, d'un mode de vie. Voilà, la Torah te donne un mode de vie parce qu'elle t'aime. Non seulement Hachem il a créé le monde, mais il t'aime. Il faut que tu saches ça, que Hachem il te donne des halakhot parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il veut t'obliger à suivre sa route. Il n'a rien à faire de ça. Il n'en a rien à faire. Une fois que la personne elle va être dans sa tombe, elle est niftar, ça veut dire elle est patour des mitzvot, c'est fini. Il n'y a plus ni mitzvot bené noir, ni 613 mitzvot, il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus rien. Les mitzvot, c'est rien que dans ce monde, ici. C'est parce que c'est un mode de vie, c'est tout, c'est pour toi. Pourquoi tu vas te rendre malheureux? Pourquoi tu vas te rendre malheureux? Pourquoi tu vas détruire ta vie avec tes mains? Et tu verras que tu seras le seul responsable d'avoir détruit ta vie. Parce qu'Hachem, il t'a tout donné pour que tu sois heureux. Pourquoi tu détruis ta vie? Alors ça, c'est le sens de la bracha. C'est-à-dire, oriente ta vie dans la bracha. Mets-toi dans la bénédiction. Sors de la malédiction. Rentre dans la bénédiction. Quitte cette malédiction. Ce monde maudit, cette façon de voir la vie qui est maudite, quitte-la. Va vers la bracha, vers la bénédiction. Donc maintenant, comme Eretz Israël, il dit ici, Rabbeinu, elle est kadosh. Alors, on ne peut pas être en Eretz Israël si on n'a pas une vision de bénédiction.
Parce que maintenant, c'est qu'en créant un lien avec Hachem, une alliance avec Hachem, c'est là où on va dessiner la lumière en bénédiction. C'est parce qu'ils ont abîmé l'alliance que la terre a été perdue. Que tout le maintien de la terre d'Israël, c'est par le Tikkun HaBrit. C'est-à-dire la terre, elle se maintient par l'alliance. C'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de garder Eretz Israël s'il n'y a pas l'alliance. Pour ça qu'Hachem, quand il a promis à Abraham Avinu de lui donner la terre d'Israël, alors Abraham Avinu lui a demandé Bameada Keorishena, comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Alors Hachem lui a dit, tes enfants ils vont être 400 ans d'esclaves en Égypte, et quand ils vont sortir, alors ils vont hériter d'Eretz Israël. Et ces 400 ans, c'est les quatre malchouyot, c'est les quatre noms d'Hachem, les quatre lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke, qui représentent les quatre principes du pouvoir d'Hachem. Ces quatre, on le retrouve dans les éléments, on le retrouve dans les règnes, il y a le règne minéral, végétal, animal, humain, on le trouve dans les yesodot, c'est-à-dire dans le Eshmaim Ouar Afar, dans l'eau, le feu, la terre, l'air. On retrouve ça dans beaucoup de choses, ces quatre éléments, parce que ces quatre éléments, c'est le principe du pouvoir. Quand maintenant on dit qu'il y a un nar, un fleuve, nar yotsemi Eden lashkote katagan, il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le jardin, venit paret veya le arbarashim. Après, il se sépare, il devient quatre fleuves principaux. Maintenant, avant d'être ces quatre fleuves-là, il est un seul fleuve, c'est-à-dire il est une seule chose. Avant que maintenant ça prenne la forme de quatre, ça a une seule chose. Et cet endroit-là, ça s'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire là où le Tzadik, qui est le pilier de l'humanité, la base du monde, se trouve, c'est avant que ça devienne quatre. C'est-à-dire avant que la chose elle se divise en quatre et où ça commence les problèmes d'interprétation. Quand vous voyez de l'eau et du feu, ça a l'air des opposés complets. Mais sachez que l'eau et le feu, un peu plus haut, c'est une seule chose. Il n'y a plus cette opposition entre ces deux éléments, elle n'existe plus. Les deux, ils s'incluent dans un niveau supérieur où ils sont unis. Donc il n'y a plus de possibilité après de sortir de là. Alors la Shmirat HaBrit, c'est ça. La Shmirat HaBrit, c'est qu'on monte à cet endroit-là où maintenant tout est Echad. Comme on a dit que le Kriyat Shema, c'est quelque chose qui aide pour sortir des problèmes de Pgam HaBrit, des problèmes dans l'Alliance, de faire le Kriyat Shema et de verser des larmes, si on peut, dans le Kriyat Shema. C'est-à-dire, quand on fait Shema Israël, Hashem Ekona Shemer Echad, c'est-à-dire on va ramener tout vers Echad. Donc quand on devait aller 400 ans en Égypte, les Maasés, c'est pour apprendre que 4 c'est 1. C'est pour apprendre ça. Maintenant, on n'a pas pu tenir. Pendant le travail, on s'est écroulé. C'est-à-dire, au bout de 210 ans, Hachem nous a sortis. Il a dit, si je ne vous sors pas, c'est fini, vous allez disparaître là-bas. Donc, bien qu'on n'a pas fini, Hachem nous a sortis. Mais le fait qu'il nous a sortis avant de rester 400 ans, on n'avait pas la vision claire des choses. Puisque maintenant, on n'est pas resté 400 ans, c'est-à-dire, on n'a pas réparé toute la malchoute, le principe du pouvoir d'Hachem. Donc notre réparation, elle était partielle, donc nos visions des choses, elles étaient faussées. C'est pour ça que dès qu'on est sorti, on a commencé à avoir des problèmes, à se révolter, etc. Comme on a vu qu'il y avait de l'eau à Mara il y avait de l'eau, mais l'eau elle était amère. C'est-à-dire qu'on a commencé à goûter l'eau de la Torah, et la Torah elle était amère dans notre bouche. Et on dit, mais c'est quoi ça, c'est amère? Tu sais pourquoi que c'est amer? Parce que tu n'es pas resté 400 ans en Égypte. Si tu étais resté 400 ans en Égypte, alors tu aurais goûté cette eau, tu aurais vu comment elle est douce. Mais comme maintenant, tu n'as pas réparé l'alliance, tu n'as pas réparé le pouvoir d'Hachem, la souveraineté d'Hachem, donc tu as une partie d'accès au monde qui n'est pas réparée. C'est-à-dire tu as une vision du monde qui n'est pas vraie partiellement. Pas tout, mais partiellement, disons à peu près la moitié. La moitié de ta façon de voir les choses, elle n'est pas vraie. Donc maintenant, ça, la vie, elle est amère.
parce que tu vois les choses de façon maudite, c'est-à-dire par la malédiction, pas par la bénédiction. Tu vois pas le côté bien, tu vois le côté mauvais qu'il y a dans le monde, partiellement. Partiellement, pas, il y a un petit peu de bien, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien dans ta vision des choses. Qu'on devait rester 400 ans en Égypte. Après ces 400 ans en Égypte, on serait sorti et on aurait été les gens les plus heureux du monde. Ça aurait été la Géoula Shlema. On serait rentré avec Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Moshe Mashiach, Moshe Selu était Mashiach. Mais tout ça, ce n'était pas le moment. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Et on a subi les conséquences, pardon, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on subit les conséquences de cette chose-là, du fait qu'on est sorti prématurément. Alors, prématurément, ça a entraîné tous ces problèmes-là. Alors, ici, il dit que tout maintenant, le Inyan d'Eretz Israël, c'est que Eretz Israël, c'est un endroit du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, c'est l'endroit de l'unification de tout. Tout devient Echad dans Eretz Israël. Mais il ne faut pas jouer, c'est-à-dire on vient en Eretz Israël, il faut savoir que tout est Echad. C'est pas, il n'y a pas de séparation des choses. Il faut savoir que tout est Echad parce qu'il y a une présence divine qui est extrêmement, extrêmement forte sur la terre d'Israël. Donc ce qu'on nous demande, c'est garder l'alliance, c'est-à-dire au maximum d'être en contact avec Hachem et de garder notre alliance. Comme je tzadikim, comme c'est écrit, les tzadikim, ils héritent d'Eretz Israël. Tzadikim Yerushu Aretz. Les tzadikim, ils héritent d'Eretz Israël. Ça veut dire que, comme ils sont tzadikim, alors la terre d'Israël, elle leur revient. Pourquoi elle leur revient? Parce que justement, comme c'est des tzadikim, c'est-à-dire c'est des gens qui gardent l'alliance avec Hachem de façon la plus parfaite de ce qu'on peut garder, alors eux, ils ont un droit à la terre d'Israël, un droit d'accès, un droit de vie. En Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils sont mamash en Eretz Israël. Même s'ils ne sont pas en Eretz Israël physiquement, ils sont quand même en Eretz Israël. Parce que eux-mêmes, c'est Eretz Israël, leur façon d'être. Quand on dit Tzadikim Yerushu Aretz, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, il rapporte ce passouk-là dans Tehilim, Tzadikim Yerushu Aretz, que le Tzadikim Yerushu d'Eretz Israël, il dit que la tombe du Tzadik, elle a la kedusha d'Eretz Israël. Ici à Ouman, le Rav Rambam Nachman, il dit que Ouman, c'est pas Houtzlaret. C'est pas Houtzlaret. C'est comme Eretz Israël. Ouman, c'est pas Houtzlaret. Pourquoi? Parce que la kedusha de Tzion, de Rabbeinu, elle représente la racine de même de la kedusha d'Eretz Israël. Donc de là va partir tout le principe. Si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dans des mots plus simples. Qu'est-ce que ça veut dire que la tombe de Rabbi Nachman, ça représente la racine d'Eretz Israël? Ça veut dire quoi ça dans des mots plus simples, c'est-à-dire dans des choses plus palpables? Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il vient sur la tombe de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il va lui réparer sa façon de voir les choses par le fait qu'il va réparer l'alliance. Pour ça que Rabbi Nachman il dit de venir faire le Tikkun HaKlali sur sa tombe, c'est-à-dire le fait qu'on fait Tikkun HaKlali ici, c'est une réparation de l'alliance. Réparation de l'alliance, ça veut dire que de recoller les morceaux de toutes les façons de voir les choses, de remettre tout en place un petit peu dans notre façon de voir, d'approcher la vie. C'est ça ce qui veut dire la racine d'Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, Eretz Israël elle-même, elle a une racine. La racine d'Eretz Israël, c'est ici, sur la tombe de Rabbi Nachman. Houman de Natir Brit, c'est-à-dire pourquoi maintenant la tombe du tzaddik, c'est l'endroit, la racine d'Eretz Israël, parce que le tzaddik, il garde l'alliance. Vehem daika yorchim Eretz Israël. Et les tzaddikim, précisément, ils héritent de la terre d'Israël. Hakdosha, la terre d'Israël qui est sainte. Shenitralka l'shnemasa shivteka, que elle a été séparée, divisée entre 12 shivatim, c'est-à-dire 12 tribus de Yudke, c'est-à-dire tous, c'est la présence de la Kedusha d'Hachem de Yudke. Alken tzrichim levarech à la Torah bechol yom. Donc c'est pour ça que chaque jour on doit faire la bénédiction sur la Torah. Ki bechol yom mekablim et haTorah mechadash, parce que chaque jour on reçoit la Torah à nouveau. Donc ça c'est un principe de base, on en a parlé, je l'ai dit déjà hier ou avant-hier, mais ici, Rabbi Nathan l'apporte, que maintenant,
La Torah, elle est nouvelle chaque jour. Chaque jour, on reçoit la Torah à nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas la même Torah. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas les mêmes éléments. Tout est recréé en permanence. C'est un renouveau très, très fort. Si on est connecté, on va sentir les évolutions. Si on n'est pas connecté, on ne sent rien du tout. Mais si on est connecté, on va voir que chaque jour est nouveau complètement. Comme je katouv, Asher enochi metzavecha hayom. Moi, je t'ordonne aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ordonne de faire la Torah. Qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Bechol yom yu benecha kachadashim. Tous les jours, ils seront à tes yeux comme nouveaux. Tous les jours, ils sont à tes yeux comme nouveaux. Ça veut dire, c'est à tes yeux, ils doivent être comme nouveaux. Parce qu'eux, ils sont nouveaux. C'est-à-dire que maintenant, quand la Torah, elle te dit, voilà, tu dois, chaque jour, tu dois voir le monde comme s'il était nouveau, elle t'aide à sortir de ta torpeur, de ton imagination. La Torah, elle te dit ça parce qu'elle te dit, regarde, Béhémeth, le monde, il est complètement nouveau. Mais je te dis, et essaye de le voir comme s'il était nouveau, parce que Béhémeth, il est nouveau. Mais je sais que tu es tellement enfoui dans tes habitudes, dans tes façons dans ta sclérose de mentale, que maintenant, je te dis, regarde, que tous les jours, fais en sorte que tu saches que c'est nouveau. Sache que c'est nouveau. Regarde-le comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais toi, tu vas dire, mais moi, je ne vois pas que c'est nouveau. On le sait que tu ne vois pas que c'est nouveau. Mais on te dit, regarde, comme on a dit dans la paracha de la semaine dernière. Ré'é, regarde. Ani anochi noten nifnechem bracha uklala. Je donne devant vous la bénédiction et la malédiction. Ré'é, regarde. Alors là, la Torah nous dit que tous les jours, ça soit à tes yeux comme quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que tu viennes maintenant dire je vais étudier la Torah comme j'ai étudié hier, je vais venir à Ouman comme je suis venu déjà une fois, je vais faire... Non, chaque jour c'est nouveau complètement. Ah maintenant tu ne le vois pas, tu ne peux pas le voir. Dans l'état où tu es, tu ne peux pas le voir. Dans l'état où tu es, tu ne verras rien du tout, tu ne peux pas voir. Mais si maintenant tu as la Emouna, que c'est comme ça, alors tu vas voir un petit peu. Un petit peu tu vas voir. Mais voir, tu ne peux pas, parce que voir, il faut que tu aies un cerveau qui soit en place. Et ton cerveau, il n'est pas en place du tout. Il a été abîmé, il a été complètement dévié, et en plus, il est débranché. Alors, comment tu veux qu'il voit? Il ne peut pas voir. C'est des concepts qu'il ne peut pas voir. Alors maintenant, tu as confiance que c'est comme ça. Parce que la Torah te dit, regarde, le monde, il est nouveau. Hachem, il mechadesh b'chol yom tamid ma'aseh bereshit. Hachem, il recrée le monde chaque jour. Alors, il dit que ça soit à tes yeux comme quelque chose de nouveau. Et une approche nouvelle chaque jour. Renouvelle ton approche chaque jour. Ce ne soit pas la même. Parce que Béhémeth, c'est nouveau. Maintenant, je sais que tu ne peux pas le voir, mais fais comme si c'était nouveau. Agis comme quelqu'un qui sait que c'est nouveau, mais il ne le voit pas. Mais il sait que c'est nouveau. Il est ma'amin, il a confiance que c'est nouveau. Donc, il va agir comme quelqu'un qui voyait complètement de façon nouvelle. Donc c'est nouveau chaque jour. Donc il faut faire une bracha sur la Torah. Pourquoi? Parce que le monde est nouveau. Donc il faut orienter la vision de la journée vers la bénédiction, puisque c'est une nouvelle journée. Donc on recommence. On recommence à vivre. C'est une autre vie. Donc on va faire une bracha pour orienter cette nouvelle lumière dans le côté béni. C'est pour ça que le Ikar de Birkat HaTorah, ça se fait après la nuit, une fois qu'on a dormi. Si quelqu'un il se lève à Hatzot, alors il fait les brachot de la Torah. Si quelqu'un ne s'est pas levé à Hatzot, il s'est relevé plus tard, alors quand il se lève, il fait. Mais les brachot à Torah, ça vient après le sommeil. C'est-à-dire quand on se lève, on est nouveau, on attaque la journée de façon nouvelle, à ce moment-là, on fait de la Birkat HaTorah. Parce que le lien du niouf, c'est-à-dire de cette tahava-là, de cette tahava de la débauche, de lien des femmes. Alors ça c'est un principe de sommeil, qui prenat chosher shelayla, c'est l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire pourquoi les gens ils vont chercher de la vitalité dans ces choses-là? C'est parce qu'ils sont dans l'obscurité totale.
Donc ils vont chercher de la lumière là-dedans. Mais là-dedans, il n'y a pas de lumière, au contraire. C'est augmenter l'obscurité. Il y a de l'obscurité spirituelle et à l'obscurité qui devient palpable, mamash, comme en Égypte. En Égypte, l'obscurité, elle est devenue palpable. C'est-à-dire, les gens, ils ne pouvaient même pas bouger, les Égyptiens, parce que l'obscurité, elle était devenue matérielle. C'est-à-dire, ce n'était pas qu'une obscurité de lumière, c'était une obscurité qui était devenue mamash palpable. Alors, quand on rentre dans la nuit, les maasés, alors, la nuit, ça veut dire que on voit pas, et ça, c'est le principe du Pgama Brit. C'est-à-dire, tout le principe du Pgama Brit, c'est un sommeil. C'est-à-dire, c'est le sommeil de la conscience, c'est le sommeil de la vie. Parce que le Pgama Brit, c'est le contraire de la vie. C'est la malédiction, c'est la vie à l'envers. C'est ça le principe du Pgama Brit. Tavat niouf, prinat shena, prinat roche shalala, kmosh katouv, bachanta libi, pakad tilayla. Comme c'est écrit dans Tehilim, tu as choisi, tu as bachanta, tu as été bochen, c'est-à-dire que tu as fait une bechina, c'est-à-dire un test, un examen à mon cœur, pakad tilayla, j'étais jugé la nuit, ki kar shorcha miprinat shena, betardema, prinat vayapel elokim. Tardema la Adam, parce que tout le union de Pgama Brit, c'est parce que l'homme, il est rentré dans le sommeil, comme c'est écrit, Kakash Bokhu, il a fait tomber du sommeil sur l'homme, il a fait rentrer l'homme dans le sommeil. Veyachan veikar achad mitzal otav, et quand l'homme, il a dormi, alors Hachem, il a pris une de ses côtes et il a créé la femme. Donc tout le principe de la femme, ça a été créé dans le sommeil de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme il est en sommeil, c'est là où il y a le principe de la femme qui ressort. C'est-à-dire quand l'homme il n'est pas éveillé, alors ça, tout ce nian-là, il ressort. Donc c'est un rapport avec le sommeil. Ki ashena ishenista or, chenistam or ha'enin, kumo shuvachim va'apil chevleshena, va'apil chevleshena al-enai. C'est-à-dire que maintenant, quand c'est le sommeil, alors les yeux ils se ferment, c'est-à-dire on ferme les yeux pour dormir, c'est-à-dire pour montrer qu'on ne voit plus rien, comme c'est écrit à Mapil Revleshena al Enai, c'est-à-dire que je beaucoup fait tomber les forces du sommeil sur mes yeux. Ou Misha Machizat Ta'ava Anal, c'est de là-bas que cette Ta'ava là, de Nyan des femmes, il vient de ça, c'est-à-dire que les yeux ils sont fermés, les yeux ne voient rien, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il voit pas, alors il n'est pas satisfait, comme je vous ai dit plusieurs fois, la Gemara a dit qu'un aveugle il n'est jamais rassasié. Quand il mange, il n'est pas rassasié, parce que ce qui rassasie quand on mange, c'est pas le manger lui-même, c'est le fait que maintenant on voit ce qu'on mange, c'est ça qui rassasie, parce qu'il y a une lumière dans le manger, il y a une émanation d'image, il y a une énergie qui vient de l'image, et s'il n'y a pas l'image, alors il y a une frustration. Maintenant, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est aveugle, quelqu'un il est dans la Torah, mais il ne voit pas la lumière de la Torah, parce qu'il n'y a pas sa Torah, il n'a pas de bénédiction. Donc, il n'a pas l'accès à la Torah de façon bénite. Alors, il est comme un aveugle, c'est-à-dire, il ne voit rien dans la Torah. Donc, il est frustré. Maintenant, pour combler sa frustration, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher dans le monde de l'obscurité, dans le monde du sommeil. Alors c'est le principe même de la création de la femme à partir de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme il était dans le sommeil, c'est là où la femme elle a été créée. Maintenant, ce principe-là, en général, c'est qu'à chaque fois que l'homme il va être dans le sommeil, c'est comme ça qu'il va tomber dans ce union-là de problème de l'alliance. Donc toute l'attaque de l'alliance, elle va venir dans des principes de sommeil, c'est-à-dire quand la personne elle a sa conscience qui est endormie. ומשם אחיזת התאווה הנ"ל, שבחינת פגם העיניים, בחינת תאוות הכללית של שבעי מומין. Que c'est l'union des yeux, des problèmes de la tava des yeux, que ça c'est le principe même des plaisirs des 70 nations, comme on a vu dans la Torah 36. על כן אחר השינה בלילה, צריך לקבל בכל יום התורה מחדש. Donc maintenant, quand on a dormi, c'est-à-dire qu'on est tombé dans cette obscurité-là, il faut recevoir la Torah à nouveau maintenant. D'ailleurs, nous l'amshir ora Torah beprinat bracha,
C'est-à-dire on doit tirer maintenant la Torah d'une façon bénite. C'est-à-dire de repousser cette tava, ce plaisir, là, ce désir général des 70 nations. On mentionne dans la bracha de la Torah, comme on a dit avant, que Hachem nous a choisis parmi les 70 peuples. Parce que, et c'est comme ça qu'on attire sur nous la Kdusha du Ham Israël, qui ont été choisis parmi toutes les nations. Parce que le Ham Israël, ils sont kadosh, ils sont tahor, c'est-à-dire ils sont saints, ils sont saints, ils sont le Ham Israël, ils sont kadosh, ils sont saints, ils sont purs. Et ils se sanctifient dans cette tahava-là. C'est-à-dire, vous voyez qu'on étudie les halakhot, vous voyez des halakhot qu'il y a là-dedans, dans ce domaine-là, combien d'halakhot qu'il y a. Combien de la rôde, voilà, un homme, sa femme, elle est nida, etc. Il peut pas lui servir à boire, il peut pas s'asseoir sur son lit. Des choses que quelqu'un, il peut même pas imaginer. Il dit, mais que je comprends pas, pourquoi ça? Mais c'est sûr que tu comprends pas. Heureusement que tu comprends pas. Bah, au Hachem, tu comprends pas. Rien à comprendre. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Pour ton bien, tu fais confiance que c'est ça qui est bien. Alors fais, tu veux aller chercher tes élucubrations, écrire la vie de, comme tu la vois. Vas-y, écris, fais ta vie, fais ce que tu veux de ta vie. Maintenant, il y a une vie qui a été prévue, et bon, Hachem, il t'a fait chesed, qu'il t'a donné des halakhot pour des gens qui n'ont aucune chance dans leur vie de découvrir même pas une halakha. Hachem, il leur a donné Shulchan Aruch entier, et dit, voilà, je vous aime, je vous donne voilà, le mode de vie, le mode d'emploi de la vie, alors qu'avant les tzadikim, les avot haolam, avant Mitzrak et Yaakov, vous n'avez pas besoin de ça. Eux, ils ont trouvé toute la Torah. En observant le monde, ils ont trouvé toute la Torah. Mais nous, on n'a aucune chance. Alors les tzadikim, ils ont emmené dans le monde, mon cher Rabbeinu l'a eu pitié, il a fait descendre la Torah dans le monde, pour qu'on ait un mode d'emploi, pour qu'on puisse s'en sortir. Donc maintenant, quand on sort du sommeil, alors tout de suite on fait la bracha de la Torah, pour orienter la vie du côté valable, du côté positif. C'est écrit ton peuple juif, ton peuple, Ham Israël, c'est tous des tzadikim. Ça veut dire que maintenant, le Ham Israël, il a une réputation de tzadik. Ça veut dire que c'est tous des gens qui ont l'alliance avec Hachem. C'est ça qui a fait qu'Hachem nous a donné la Torah. Hachem nous a donné la Torah parce que Hachem, il nous considère comme des tzadikim. Comme il nous considère comme des tzadikim, il nous a donné la Torah. Et c'est ça le lien de Matan Torah à Shavuot. Parce que le fait que maintenant, on se sanctifie de cette Tahava-là, de 3 jours avant. C'est écrit que 3 jours avant Matan Torah, il fallait se séparer de la femme, ne pas avoir des rapports avec sa femme. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on allait aller recevoir la Torah, ça demandait une préparation dans ce domaine-là. Comme c'est écrit, soyez prêts à ces 3 jours-là, c'est-à-dire faites ces 3 jours-là de préparation. Et Davka, c'est ça qui va permettre de recevoir la Torah à Shavuot. Allez, dit Moshe Rabbeinu à la Vachalom, grâce à Moshe Rabbeinu à la Vachalom, Shaya Kadosh ou Parush Ligamre, que lui, il était saint et complètement séparé de cette chose-là, complètement, comme voit le Mahamaranal. Comme c'est écrit dans la Torah 36. Parce que chacun, il a le mérite de recevoir la Torah grâce à Moshe Rabbeinu. Par le fait qu'ils se sont tous sanctifiés de cette Tava-là pendant les 3 jours. À ce moment-là, tous ils recevront la lumière de façon bénite. Et c'est ça que ils ont dit les Bnei Israël, toi mon cher Rabbeinu, parle avec nous, et pas que Hachem il parle directement avec nous, parce que sinon on va mourir. Qu'Israël hayu chafetzim yoter,